Gazu se charge de régler les ardoises de tout le monde ce soir. Oh, la dernière. La dernière. Là, ils vont se pinter comme jamais. Ils vont finir ivres-morts. On va devoir payer la note. La dernière, elle me plaît bien. Le robot chien aussi, il me fait rire, hein, j'avoue. La fête chaque semaine sur la plage de Mécagone, je trouve ça drôle aussi, parce que si jamais Mécagone n'est pas trouvé, on n'est même pas sûr qu'il y ait une plage à Mécagone. Donc, ça... Mais ça, peut-être qu'elle va y penser aussi. Donc, allez, on va dire ça. Marché conclu, vous pouvez dire à Gazeleu que l'affaire est dans le sac. La représentante syndicale crache dans sa main et vous l'attend. Notre accord n'est pas officiel tant qu'on ne s'est pas serré la main. Cracher dans votre main et serrer la sienne. Oh là là, c'est pas très Covid-friendly cette histoire. Restez vous-même. C'est pas très Covid-friendly. Ouais, enfin, 5 minutes, tu sais, t'as un peu plus que 5 minutes, hein. Ça peut plus ou moins attendre demain matin, hein. Ah oui, j'ai tout en bas. J'aurais dû remonter pour prendre le fly. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Oh, je meurs pas. Bon, pas bah, ok. Je pensais que je décéderais sur le coup là, mais. Zut. Là, je me suis planté par contre. Je voulais pas tomber dans la flotte. Attendez. Non, j'avais l'impression qu'il était en surbrillance, mais non. C'est juste qu'il a des habits clairs. Charger ses fournitures dans le sous-marin au bas de course! Je t'en dois une, Riquette! Ce rafio est magnifique! Je vous l'avais bien dit! Non, c'est pas ça. J'allais dire, c'est cette merde. Mais non, c'est.
C'est ça? Non. C'est ce truc-là. Oui, oui, oui. Et je crois que c'est... Merde. Bon. Je vous présente Odile. Odile de Ré. Pour ceux qui ont la ref. Ah zut! Précisément, c'est Odile de Ré de la Grande Mère. Je vais arrêter cette blague ici, hein, ça sera mieux pour tout le monde. Charger ses fournitures dans le Oui, c'est sous-marin bon, en on a bateau. compris. Je t'en dois une, Riquette. Ce rafio est magnifique. Je vous l'avais bien vous dit. Vous êtes en pause? Je me remets au boulot. Je ne traite qu'avec les meilleurs. Quoique les rivages de Mécagone nous réservent, avec une équipe pareille, on s'en sortira. Allez pas croire que je vous sous-estime. L'accueil que nous prépare ce cinglé de roi est une chose est sûre, ça va barder. Attendez. Allez pas croire que je sous-estime l'accueil que nous prépare ce cinglé de roi. Une chose est sûre, ça va barder. Alors, on va s'approcher discrètement à bord de ce sous-marin tant qu'on fait pas de vagues. On n'a rien à craindre. Parce que c'est un sous-marin, ce truc? Là, ici, je doute de l'étanchéité, hein. Parlez au capitaine Cook. Oh, pas mal, ça! Cook, ok, c'est capitaine Cook, hein, ok. Quand vous serez prêt. Ok, d'accord, la petite ref. Vous êtes prêts? Bien, larguez les armoires et souquez les artimuses. Larguer les armoires. Alors, vas-y, accouche. Nous sommes prêts, emmenez-nous à Mécagone. À la Tout le monde à bord! La murène s'apprête à quitter le port. La murène. Ok, je m'attendais à une cinématique, mais ok. Vous vendez ou vous achetez? Si vous avez besoin de personnel, dites-le-moi. Nouveau trajet découvert. Ok. Alors, on a réussi à passer. D'accord. Attendez. Ok, d'accord. On a réussi à passer inaperçu, on dirait. L'équipe de Skagi va s'installer sur cette plage. Mais d'abord, faut qu'on s'assure qu'ils peuvent débarquer sans risque. Survolons le secteur, vite fait, bien fait. Pour voir comment on va s'y prendre. Vous voyez cette ville là-haut sur la colline. Elle a l'air plutôt prometteuse. Survoler la baie des bonnes affaires avec Grazleux et son équipe à l'aide du propulseur. Oh, y a pas de Pour les risque, propulseurs, pas c'est de ici. récompense. Wow. C'est ça, Mécagone? Vu d'ici, ça ressemble pas à grand-chose. Ne te laisse pas distraire par le paysage. Regarde plutôt ces robots sur le rivage. Oh. Des robots sur le rivage? On va les bombarder! Wouhou! Descends-les, Jack! Le ciblage était hasardeux, mais les résultats sont là. Des renforts potentiels sont arrivés. Nous devons en informer le prince. Ouais, dis-lui que les mécanos de Gazleux sont là et qu'on est de son côté. Même si je sais pas du côté de quoi. Wow, ok. Ça fait très... Encore une fois Fallout, mais aussi Borderland un petit peu. Ouais, ça fait aussi un peu Borderland.
Juste, attendez, j'ai pas vu. J'ai un contrat pré-rempli avec votre nom. Le roi Mécagone va pas être content de nous voir sur son île, mais un souverain aussi cruel a forcément des ennemis. Vous et moi, on est bien placés pour le savoir, pas vrai? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Sylvanas n'a aucun ennemi. Enfin, aucun ennemi vivant, du moins. Pendant que Skagit a son équipe et son équipe change d'améliorer notre camp de base, vous et moi, on va chercher des alliés pour nous protéger des foudres du roi Mécagone. Ces deux gardes sont partis vers une sorte de bidonville au sommet de la colline. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a rien de royal. Je propose qu'on commence par là, explorer la ville voisine avec Gazleux. Ok. Quand il y en a plus, Beckett, Jack, avec moi. Allons jeter un coup d'œil à cette ville. Ils me suivent? Ok, ils me suivent. On dirait que ces gnomes ont de sérieux problèmes. Ça m'arrange. Beaucoup de mecs de l'Alliance ici. Nous allons évidemment vous aider dans votre cause, Prince et Rosmine. C'est pour ça que nous sommes là. Ouais, je sais pas ce qu'elle a dit, mais on en est aussi. Tout pareil. Comme si la Horde allait se mettre à aider les gens. Ce mot n'est même pas au vocabulaire de votre prince marchand bouffi. Ne l'écoutez pas, mon bon prince. Moi et mes gars, on veut vous aider. Dites-nous ce qu'on doit faire et on s'y met. Grâce à votre aide, nous pourrons déjouer les plans de mon père et sauver mon peuple. Bienvenue dans la résistance de Mécarouille. Mécarouille. Vous avez déjà envisagé une grève de modules? Rien n'est jamais vraiment terminé. Oui, mais certainement pas de confection de confection gnome, en tout cas. Mécarouille a rarement été si mal en point. Le roi Mécagone a attaqué la ville la nuit dernière. Ses armées mécaniques ont eu le temps de capturer de nombreux résidents de Mécarouille et de semer la destruction un peu partout avant que nous ne parvenions à les repousser. Les prisonniers ont été emmenés au dépôt Tolawat. Ensuite, ils seront transférés vers la ville souterraine du roi Mécagone où ils seront intégralement mécanisés. Nous ne pouvons pas rester sans réagir. Acceptez-vous de m'aider à les secourir? Ok. Soyez efficace, Gazleux, Suprétincelle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je dois m'assurer que la résistance ne tolère pas les luttes intestines. Je n'exige pas l'amitié entre vous, mais bien la coopération. Traitez cette information pendant que nous continuons. Ok. Vous aurez peut-être remarqué que Mécarouille ne fonctionne pas au mieux de ses capacités. Il y a peu, les troupes de Mécagone ont attaqué notre base. Nombre d'entre nous ont été arrêtés, voire pire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le roi Mécagone infligerait-il ça à son propre peuple? Mon père était jadis un visionnaire. Mais aujourd'hui, il s'est transformé en une machine dépourvue de cœur. Il ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins. La résistance de Mécarouille est tout ce qui pourrait l'en empêcher. Autant dire rien, quoi.
personne n'est parfait. S'adapter, améliorer, triompher. Ok, il faut se contenter de la résistance. Alors attendez, juste une question que je me pose. Là, ok. Donc là, je peux retourner à Zuldazar, ok. Ok, je suis là. Je suis là. Et si je pars de Zuldazar, par quel moyen je peux y retourner? Par les échos. Est-ce que je vais avoir une nouvelle... Tiens, j'ai un truc là. J'ai un truc qui... J'ai un peu de pognon à récupérer là si je bute ce mob. Combien de temps pour le faire? Oh, j'ai 5 jours pour le faire. Je le ferai ce soir. Parce que je vois qu'il y a une grosse prime là-dessus. Bref. Énoncez votre requête. Au secours de la résistance. Le roi Mekagon fait preuve d'une efficacité implacable. Il investit ses ressources exclusivement dans la capture d'individus jugés dignes de ses expériences. Excusez-moi. Quant aux autres, il s'en débarrasse tout simplement. Nous nous occupons de mon père, le roi. Nous nous occuperons de mon père, le roi, un autre jour. Pour l'instant, connaissant son côté aussi imprévisible que pragmatique, nous pouvons être sûrs que nos meilleurs scientifiques, ingénieurs et bricoleurs sont encore en vie et retenus captifs quelque part dans ce dépôt. À charge pour nous de les trouver et de les délivrer. Les armées de mon père. Mon père n'a pas toujours été un tyran forcené. Autrefois, il cherchait à améliorer le sort de son peuple et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour nous assurer son avenir radieux. Mais lorsque ses convictions et ses rêves... se sont mis à diverger, il n'a pas su s'adapter. Au lieu de cela, il a commencé à leur imposer ses quatre volontés. Il s'est lancé dans une série d'expériences secrètes visant à mécaniser intégralement ses détracteurs. Une vraie vision de cauchemar. À la fin, il ne restait plus rien des gnomes qui avaient suivi de leur propre chef. D'accord, il ne restait plus rien des gnomes qui avaient suivi de leur propre chef. Ok, d'accord. Il n'était plus que des automates, des esclaves à sa merci. Je veux du soldat Mekagon. Gaz-le, super-tincelle, gardez le contrôle du ciel. Nous allons avoir besoin de soutien aérien. Bien. Oh, 100k points de vie. Allez, bute 12 mobs de plus. Ouais, ok. Alors par contre leur absorption là elle est chiante. Excusez-moi, hop, alors, c'est quoi ça? Okay. Il nous faut des pièces supplémentaires pour réparer cette foreuse. Oh zut! Tiens bon, Pascal R01. Très bien,
J'attendrai votre retour, prince Erasmin. Ah, excusez-moi, je... Attendez. Oh, je suis désolé. J'ai mon casque qui grésille à nouveau. J'aggro un max, hein. Je pense que je peux... Je pense que je peux encaisser. Ou quoique. Là, j'ai vu peut-être un peu gros. Hein. J'ai vu trop gros. C'est bon. La résistance reste forte. Alors j'espère que le son. Établissez vos propres paramètres. J'espère que le son est toujours bon pour vous. Je sais pas d'où ça vient ce problème de micro qui grésille. C'est quand j'ai l'impression que c'est en plus c'est plus si avec le temps qu'autre chose en fait. Pourquoi je fais ça, moi? J'ai plus besoin de... Ouais. Hop. Je t'avais dit que le prince viendrait nous sauver, cher frère. Un sauvetage miraculeux. Bien sûr, chère sœur. Tu as toujours raison. J'ai envisagé une grève de Bobine. Rien n'est jamais vraiment terminé. Ok. Oui, ça devrait suffire pour réparer cette foreuse. Je vais faire ce que je peux avec les pièces à ma disposition. Mais vous devrez terminer les réparations avec les vôtres. Quand vous serez prêt, retournez auprès de la foreuse cassée que nous avons trouvée et ouvrez-la. À nous deux. Nous aurons vite fait de la remettre en état. Soyez efficace. Okay. Bon. Ok, j'ai vu. Calme-toi, Pascal. Je vais résoudre ce problème. Pour le moment, retourne à ton atelier. Ok. Ok. Attendez.
Ok. Début de l'excavation. J'avalise absolument ce développement prometteur. Non, c'est pas ça, je pense que c'était ça. C'est où? C'est là-haut. C'est pas vrai. Il est où mon marcheur là? Attaque-moi ça. La résistance reste forte, mais Carouille est en piteux état. Considérez vos compétences comme réquisitionnées. Avec de la ferraille, des piles à combustible et un peu d'huile de coude, on peut tout réparer. Je prendrai la quête quand je partirai d'ici, parce que là je suis sur un endroit un peu trop tranquille. C'est pas vrai, il est en arrière. Il est où? Il est là-bas. J'ai pas vu que mon marcheur était mort. Bon, je vais juste me mettre vraiment à l'abri. Enfin, je vais sortir pour prendre la quête et puis lire tranquillement avec vous. Parce que en vrai, je cliquerai et je prendrai directement, mais je veux qu'on suive l'histoire un petit peu. Personne n'est parfait. Alors, mon peuple est de nouveau en sécurité jusqu'à nouvel ordre tant qu'il n'aura pas appris à nous craindre, le roi Mécagon continuera à nous attaquer avec ses armes. Nous devons lui envoyer un message, grimper sur les remparts et pirater l'un des projecteurs de mon père de manière à ce que toute l'île puisse voir la bannière de la résistance de Mécarouille au firmament. Je suis sûr que cela ne manquera pas d'attirer l'attention du roi. S'adapter, améliorer, triompher.
Là, on va passer par là. Là-bas, ok. Comment j'y accède? Par là. Seule monture, oui. Détection de formes de vie prohibées. Extermination. C'est pas vrai, j'arrive pas à lui faire chuter sa vie. Son artillerie est lourde, hein. Oh merde. Ça y est. Tant pis, je m'en prends plein la tronche. Dingue ça, j'arrive pas à... Chaque fois il régène. Ce qui fait que j'arrive à l'avoir que point de vie par point de vie quoi. Ça y est. Ah, j'avais pas vu ça, d'accord, ok. Ah, pilote, il est revenu. Ah, d'accord, ok, bon. C'est plus raide que je le pensais, bon. Ok, alors attendez. Hop. Le marcheur va s'occuper de lui. Non, non, j'y arrive pas. J'arrive pas à le défoncer. Je dois m'approcher. Bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, si je m'éloigne de l'arène, le mob, enfin le boss, là, il ne m'approche pas. Ce qui fait que je peux régénérer. Je suis trop loin.
Allez. Là, je descends sa vie. Non, mais sans déconner, je lui fais zéro dégâts, là. Ok, ça doit pas être ça parce que je lui fais zéro dégâts, là. Donc ça doit être en descendant ces bobines là que je dois... Parce que ça risque d'être un petit peu long. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention. Ça, si là maintenant que j'en ai descendu un autre, je suis hors de portée. Je suis trop loin. Non, il est là, lui. Je dois m'approcher. C'est chiant, plus on les affaiblit, plus j'utilise une armure chaude là. Allez. Ah, oh, purée, plus de mana. Ah, et puis voilà, plus de mana, plus de vie. C'est le problème des démonistes. Quand on n'a plus de mana, on n'a plus de vie. Bon. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Je suis hors de portée. Il me faut une cible. Puis je sais pas, je vois pas le... Je dois d'abord choisir une cible. Il me faut une cible. Ok. Non. C'est lui? Mais c'est... non, c'est pas le même que tout à l'heure. Celui-là, il a 13 millions de points de vie. Bah, à la limite, ouais, je préférerais... non, le X9, non. C'est lequel? C'était 8, hein. Non, juste non, quoi.
crois qu'il faut le faire en groupe, ça. Sinon... Sinon, c'est pas jouable. Parce que là, je vois plus, moi, le... Enfin, le... celui que j'avais commencé à attaquer, là, mais... Mais pareil, j'y faisais aucun dégât. J'y faisais plus aucun dégât. Je l'ai baissé... 10 000 points de vie, et après, terminé, quoi. Plus rien. Je crois que la quête, elle a surtout échoué parce que je suis mort. Donc, bon, bref. On est là. Ok, on sait qu'on aura ça à finir. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais ressortir, je vais m'arrêter là. La question, c'est est-ce que je peux revenir à Zuldazar et surtout, est-ce que je peux revenir ici après? Normalement, oui, je peux revenir ici après, même si... Parce que... Faut que je prenne la route par là. Ok. Donc on fera ça plus tard. Je vais voir avec vous si on peut retourner à Zuldazar et revenir ici sans problème. Ah, ça, c'est là qu'on était au tout départ. Ok, là. C'est pas lui. C'est lui pour repartir. Si je vais repartir, je m'adresse à qui là? Ah, il y avait le. Ouais, ok, c'est bon, j'ai. Quoi de neuf? C'est ça. C'est bon, j'ai. Ok. Et donc on vient au port et évidemment je peux reparler à elle, évidemment, oui, sur le port pour... ok. Mais elle est sur l'épaule du monstre en fait qui est posé, c'est pour ça que j'ai mal cliqué tout à l'heure. Ok, bah écoutez, on finira ça plus tard parce que là, comme je vous dis, voilà, moi j'en ai assez de toute façon, faut que je fasse autre chose. Alors je vais pas passer par là. Et bah c'est par là. Je voudrais juste voir autre chose aussi avec vous, rapidement. Donc je suis là. Bonjour. Est-ce que j'ai gagné quelques... Non, j'ai gagné très... Je suis pas loin, hein. Je suis pas loin. Il me manque une vingtaine... Même pas une vingtaine de ressources de guerre et j'ai... Et j'ai ce qu'il faut pour avoir la cache de guerre, hein. Il manque plus grand-chose, hein. Faut vraiment que j'arrive à avoir ce qu'il me faut. Enfin, ce qu'il faut. Il va 20 ressources de guerre et c'est bon quoi. En vrai, je vais peut-être faire un tour à Nazmir ce soir pour avoir les 20 qui me manquent. Et je m'achèterai certainement la cage de guerre ce soir. Bref, moi je pars à Volden pour ce soir pour faire les quêtes. Et continuer à augmenter ma réputation auprès des Vulpérins. Et puis bah, moi je vous dis... A plus tard. Bien, donc, nous nous retrouvons 3 mois après. La dernière coupure, là, que vous avez eue, là, c'était il y a 3 mois. Pour moi. Pour vous, ça a duré une fraction de seconde.
Attendez, hop, voilà, je me débrouille avec XSplit. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Je joue presque quotidiennement. On va dire que je me connecte tous les 2 ou 3 jours en moyenne sur World of Warcraft. Et je fais les quêtes essentiellement de Zandalar. Les quêtes journalières, en gros, ces quêtes-là. Là. Par exemple, là, voilà, j'ai Champion d'Azeroth à faire. Ce soir, voilà, donc je fais les 4 quêtes minimum recommandées, je rends la quête, et ça fait augmenter mon cœur d'Azeroth et mes réputations. En parlant de mon cœur d'Azeroth, on va commencer par ça. Donc j'ai atteint le niveau 80, ce qui signifie que voilà, tout ce chemin-là, je l'ai fait. Donc j'ai fait des allers-retours aussi à la forge du cœur d'Azeroth pour pouvoir valider à chaque fois les nœuds que je débloquais. Et donc là, c'est bon, je suis niveau 80, je pensais que c'était le niveau max, mais ma barre de puissance continue de grandir. Donc on va voir si ça atteint 100% après, à la fin du niveau 80, ben, c'est la fin. Sinon, ça veut dire que ben, potentiellement, le niveau du cœur d'Azeroth est potentiellement peut-être infini ou limité à 100, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on voilà. Au niveau de mon équipement, évidemment, ça a changé un petit peu. Je suis e-level 143, 443, pardon. Et donc j'ai gagné à peu près depuis la dernière coupure 100K points de vie à peu près. Voilà. C'est plutôt correct tout ça. C'est plutôt correct. Alors pour résumer, je me balade plutôt sur beaucoup de zones PVE, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas refait de PVP au cours des 3 derniers mois, j'aimerais bien m'y remettre un petit peu. Si j'ai le temps un soir, je m'y remettrai. Quoi qu'il en soit, je veux dire quoi d'autre? Il y a une zone PVE que je n'arrive dans laquelle je n'arrive absolument pas à survivre. C'est Najatar, c'est vraiment très hard, donc je n'y suis pas retourné. Quand j'avais la quête des affranchis, les quêtes des affranchis, je ne les faisais pas, parce que juste ça me saoulait de crever en boucle. Donc côté Najatar, je n'ai pas évolué et on ne va pas évoluer tout de suite. Excusez-moi, il faut que je tousse. Voilà. Alors, autre chose, donc il y a eu des mises à jour de World of Warcraft, enfin du serveur du moins. Et donc déjà premièrement, on a ici des quêtes à, enfin une, comment dire, une nouvelle suite de quêtes qui vont apparaître ici. Ce n'est pas Il à faut, moi. voilà, il faut, faudrait, faudrait faire ça, mais ça reprend un petit peu l'histoire de. Enfin, on retourne un petit peu sur l'histoire de. Oh, excusez-moi, par contre, attendez. J'ai mon ventilo qui tourne. Je ne sais pas si ça m'a pourri le son. Donc, on a cette partie-là qui va repartir un petit peu sur l'arc Cataclysme. Où, en fait, il y a en gros le retour annoncé de Heldemort, qui est le méchant de Cataclysme sur lequel on n'a pas vraiment passé de temps au cours de cette série. Quoi qu'il en soit, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, voilà, comme je vous ai montré, sur mon cœur d'Azeroth, là j'ai des emplacements pour des. Je sais pas comment ça s'appelle, là, des artefacts, là, ces artefacts-là. Donc il me faudrait idéalement 3 artefacts. Et on remplit le cœur d'Azeroth, quoi. Peu importe les trucs, c'est vraiment histoire d'avoir des effets supplémentaires. Si on en chope plus, tant mieux, on mettra les meilleurs. Quoi qu'il en soit, je vous propose c'est donc de faire les quêtes de la forge pour pouvoir récupérer ces artefacts. Et potentiellement devenir assez puissant pour pouvoir continuer Najatar. Donc. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, il faut que je tousse à nouveau. Voilà. Je veux dire quoi? Oui, quoi qu'il en soit, je vous avais dit que je voulais m'arrêter à l'épisode 100. C'est mal parti. C'est mal parti. Alors, le problème, c'est que je sens que ma progression, évidemment, ben, elle est beaucoup moins rapide que ben, au début du jeu, où j'ai pu tourner énormément d'épisodes à la suite. Donc,
Je ne garantis pas la continuité des épisodes à partir de maintenant. Je veux dire que potentiellement, il n'y aura plus un épisode de World of Warcraft tous les samedis. C'est fort probable qu'après. Alors, pas forcément après cet épisode-là, parce que là, je pars pour une session de 4 heures, à peu près 4 heures, donc ça veut dire 4 épisodes. Donc, mais à partir des mais après les 4 épisodes qui vont suivre, là, ben, je garantis absolument pas que je puisse assurer la continuité des épisodes tous les samedis. Peut-être un samedi sur deux, peut-être, je verrai. Mais là, c'est vraiment pas lié à mon planning pour le coup, c'est vraiment lié à ma progression dans le jeu. Donc voilà, donc la forge, hein, donc elle est au milieu, là, le forge du cœur. Et donc on va faire ces quêtes-là. Alors il y a beaucoup de joueurs, hein, ici en permanence, c'est assez impressionnant. Ok, donc on part pour Nardrazil. Protégeons notre On part pour bande. Nardrazil. Alors après voilà, il y a aussi ce titan-là qui est apparu. Qui ne parle plus. Elle m'avait parlé un petit peu. Et on a toujours Dame là-bas qui est un titan, mais qui ressemble vraiment à une Vous IA. sollicitez une expérimentation? Ah oui, il y avait Curious Corruption. Il y avait cette quête-là aussi. Séparation. Ah, ok, c'est juste à côté. C'est lui, non? Vous Je pouvez sais pas. compter sur le vol draconique bleu. Toc, toc, toc. D'accord, trouver Meritra au Temple des Lunes, à Valsara, donc ça, pareil. Depuis la disparition d'Izera, le Volvers est en proie au chaos. Retrouvez Meritra au Temple des Lunes en Valshara. Elle saura vous indiquer comment vous rendre-t-il. Ok, d'accord. Donc ça, c'est du Légion. Donc on a une quête dans l'extension Cataclysme, une autre dans Légion. Alors ça m'embête de voir tous les mobs parce que je sais que. Voilà. C'est pas lui que je dois à qui je dois demander pour. Je savais que vous viendriez. Non plus. Demander à Irion. Est-ce que j'ai un personnage qui s'appelle Irion là? Non, c'est pas là. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Et le truc, c'est qu'avec les mobs, c'est un peu l'enfer. Avec les mobs, avec les autres joueurs, je veux dire. C'est un peu l'enfer de retrouver un PNJ ici. Mais pour moi, je vois que Dame, ce personnage-là qui s'appelle Klekgos, le marcheur d'esprit, évidemment Mani, Barbe. Je parle pour Azeroth. Donc écoutez, pour le moment, cette quête-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, la curieuse corruption, je ne sais pas. Sur l'objet corrompu. Est-ce que. Attendez, est-ce que j'aurais supprimé l'objet par erreur? Je vais l'abandonner, je vais la reprendre. Je vais l'abandonner, je vais la reprendre. Niveau de contamination Ah! acceptable. Je peux pas la reprendre. Peut-être qu'elle reviendra plus tard. Bon, bref. Donc, on va aller. Tac, tac, tac. On va commencer par le Mont Hyjal. C'est le plus simple. On va passer.